Otto. Oui, monsieur. Allez-vous? Eh ben, ces valises, je les ai bien prises dans l'auto de monsieur Bardu. Oui, et alors? Eh ben, alors, c'est les valises de monsieur et madame Bardu. Eh ben, non, justement. Enfin, pour la tante, si. La tante, si. Oui, pour la tante, si. Mais pas pour nous. Enfin, pas les deux. Oh, cherchez pas à comprendre. On cherche pas. Et demain, n'oubliez pas, mademoiselle n'est plus mademoiselle, elle est devenue madame Bardu. Eh ben, ça a été vite fait. Mariage à l'américaine. Si vous voulez. Oh là là, pourvu que demain matin, monsieur soit toujours monsieur. Attention, ne contrariez jamais ma tante. Elle est très fatiguée, elle est venue ici pour se reposer et j'en profite pour la soigner. Ah bon? C'est aussi une malade? Non. Enfin, un peu, oui. Mais je la soigne sans qu'elle s'en doute. Alors, quoi qu'elle vous dise, ne la contrariez pas. Vous répondez oui, madame, bien madame, merci madame. Oui, madame, bien madame, merci madame. Compris? Oh ben oui, compris, ça c'est pas difficile. Bertrand! À vous, ma fille. Oui, madame, bien madame, merci madame. Bertrand, le soir aussi, elle trimballe des valises. Surtout le soir, elle adore voyager de nuit. Hein, Laetitia? Oui, madame, bien madame, merci madame. Laetitia, vous avez pris votre billet? Vous l'avez composté? Oui, madame. Non, pas encore. Ce soir, vous ne l'avez pas pris. Allez vite chercher votre billet, Laetitia. Sinon, vous allez manquer le train. Tenez, en attendant, je vais mettre vos valises à la consigne. Merci, madame. Laetitia, vous avez pris une couchette pour la nuit, mon petit? Pardon, madame. Ma tante vous demande si vous avez pris une couchette pour la nuit. Vivi, madame, vivi. Bon voyage, Laetitia. Merci, madame. Ah, Laetitia, si vous avez peur, tirez le signal d'alarme. Eh bien, il y a des moments où il y aurait de quoi. Ah, elle est impayable, votre refoulée.